Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle vidéo sous la Zoé 50. Oui, petit à petit, ça fait comme une sorte d'épisode, des épisodes qui suivent, en donnant quelques indications techniques, technologiques aussi, bien entendu, puisque c'est une avancée technologique, par rapport à la Zoé 40 et 22 kW. On va voir ensemble le frein de parking assisté. Alors, c'est un frein de parking, oh, c'est une sacrée évolution. À mon sens, c'est un peu une révolution parce que je trouve par rapport à l'ancienne Zoé. L'ancienne Zoé, je fais, attends, je l'explique en même temps, hein, bien entendu. On sait qu'il faut mettre sur une position P avec le levier. C'est un levier de commande électronique, bien entendu, avec une manipulation mécanique. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire un mouvement d'avant en arrière et d'arrière en avant. Que sur la Zoé 50, c'est imperceptible. C'est une petite commande, on va dire comme un interrupteur électronique. Ça fait la même fonction, mais c'est beaucoup plus souple. Je ne l'ai pas conduite, mais c'est simplement par des retours, bien entendu, des personnes qui expliquent et qui disent tout bien de ce système-là, l'évolution. On voit que c'est tout petit comme levier, donc il y a un gain de place en plus sur la console centrale. Donc, sur la Zoé 50, cette commande se fait avec un bouton. On l'a bien compris, mais il y en a un deuxième qui est juste à côté ou derrière et qui est drôlement pratique. On va voir ça ensemble. Votre nouvelle Zoé est équipée d'un frein de parking assisté pour un plus grand confort de conduite. Véhicule à l'arrêt, le frein de parking assisté immobilise automatiquement votre véhicule au débouclage de la ceinture de sécurité, à l'ouverture de la porte côté conducteur ou à l'arrêt du moteur. Ah, Ce bien terrain ça. apparaît alors au tableau de bord avec le message frein de parking serré. Oui, je fais une petite pause, vous m'excuserez, j'en ferai pas mal. Des pauses. Oui, c'est un plus parce que si vous ouvrez la portière, vous arrivez devant chez vous, c'est un peu en pente, vous ne faites pas attention, le moteur est toujours engagé, en fonctionnement, vous ne l'entendez pas, il ne fonctionne pas, sauf si vous sollicitez la pédale d'accélérateur, bien entendu. Mais là, la voiture est à l'arrêt et vous avez oublié de serrer le frein à main. Bah, ce frein à main, c'est le bouton, ici, celui-ci, c'est tout. Il n'y a que ça. Il n'y a plus le fameux levier classique à l'ancienne qui prend une place incroyable et on entend les pneus. Ça fait vraiment rustique hein, quand on serre un frein à main de voiture classique. Oh là 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 là! C'est là toute l'évolution de ce système-là, de voiture électrique et aussi hybride, bien entendu, puisque j'ai connu sous la Prius aussi ça. Pas le frein automatique, hein, non, ça n'existait pas. Mais le bouton pour permettre le serrage du frein de parking bah, avec un bouton, c'est électrique sur la Prius 2. Bah, c'était un sacré progrès pour l'époque. Ça faisait drôle. C'est un confort qu'on ne voulait plus perdre ensuite, après. Mais malgré tout, il y a un frein à main, c'est obligatoire, qui est là sur les voitures électriques, c'est différent. Donc on va voir ça ensemble. Précision, je n'ai jamais serré le frein à main sur la Zoé depuis 3 ans. Le bâton, là, le levier, je n'ai jamais relevé. Non, jamais, jamais. Et sur la Prius 2, je n'ai jamais serré le frein à main non plus. Pas eu besoin. Le frein de parking, comme ceux identiques à la Zoé, excellent. Ça bouge pas. Ça bloque un pignon sur la Zoé 40 ou la 22. Le fameux réducteur de vitesse, il y a deux ou trois pignons qui sont là-dedans. Ça bloque un des pignons. C'est mécanique. Attention, quand vous serrez. Ah oui, je précise, quand vous serrez ce. Vous mettez en position P avec l'ancienne Zoé. Assurez-vous que la voiture soit immobilisée et même qu'elle ne fasse pas un balancement. Elle est entre deux. Elle est en balançoire sur un trou, par exemple, on sent qu'il y a un ballon. Il faut bien serrer le frein classique et engager la position P parce que ça va forcer sur le pignon avec ce système mécanique. Donc il faut y penser. Je continue. Et le témoin du contacteur s'allume pour vous confirmer que le serrage du frein est bien actif. Vous pouvez actionner manuellement le frein de parking lors d'un arrêt à un feu rouge, par exemple, en tirant simplement ce contacteur. Le desserrage du frein de parking se fait automatiquement dès que vous pressez la pédale d'accélérateur. Vous pouvez également le desserrer manuellement en pressant. On va dire qu'il y a encore une manipulation à faire quand on arrive sur un stop, un embouteillage, un ralentissement, ça s'arrête, ça redémarre, ça s'arrête. En faisant cette fonction, il faut encore activer quelque chose manuellement.
On n'est pas encore sur le système de pédale automatique, le système qu'il y a sur les Nissan et d'autres, bien entendu, où là, ça se fait automatiquement. À la limite, il n'y a plus besoin de pédale de frein. Hein, il y en faut une, mais elle n'est pas beaucoup utilisée, c'est vrai. C'est le système qui gère automatiquement. Sans ce contacteur, les témoins du contacteur et du tableau de bord s'éteignent alors. Lorsque vous stationnez sur un plan incliné, tirez ce contacteur pendant quelques secondes. Vous obtiendrez alors une force de freinage maximale. Ça, c'est bien. Je fais une parenthèse sur les feux stop, parce qu'il m'a été posé une question concernant les feux stop sur la Zoé 22 et 40. Ils ne s'allument pas quand on décélère. C'est une personne qui m'a posé la question. Je précise qu'ils s'allument quand on monte, quand on gravit une montée. On décélère dans cette montée. À l'arrivée d'un stop en côte ou d'une commune, on arrive à 80, il faut ralentir à 50. Les feux stop vont s'allumer à ce moment-là. Vous ne freinez pas, vous décélérez, les feux stop s'allument. Je l'ai remarqué en regardant sur mes rétroviseurs intérieurs, extérieurs. Pardon. Donc on voit que ça fonctionne, mais ça n'a pas été prévu. L'inverse. C'est-à-dire que si on reprend la montée dans l'autre sens, on descend, on décélère, les feux stop ne s'allument pas. Vous allez me dire, c'est critiquable. Oui et non. Parce que la force de décélération, c'est la force de décélération d'un moteur diesel avec du couple. Un moteur diesel a toujours du couple, beaucoup de couple, plus qu'un essence. Un moteur à essence, on a l'impression que ça ne freine pas. Quand on relâche l'accélérateur, bon, je me rappelle, sur la Twingo, ça m'a fait drôle. Hein. Quand je suis sorti de la Zoé, j'ai repris la Twingo, mais il n'y a pas de frein là-dedans. Mais c'est vrai, on est obligé de freiner sur les freins. Oh là, quel gaspillage! Gaspillage d'énergie et usure des freins. En plus, énervement, parce qu'on est obligé de freiner loin, longtemps à l'avance. Que sur une Zoé, non. Non. Vous freinez au dernier moment, quand vous arrivez sur l'obstacle, sur un feu stop, une voiture devant vous, et les feux stop ne s'allument pas. Mais sur un diesel, si on décélère, on se prend la peine de passer les rapports inférieurs jusqu'au moment où il faut freiner, c'est exactement la même chose que sur une Zoé. Donc voilà, c'était une parenthèse. La Zoé est conforme et elle vous apportera un confort largement supérieur à ce niveau-là aussi par rapport à l'antiquité du thermique, à l'antique thermique. Mais comme la majorité des gens roulent encore en thermique et qui collent, ils collent les uns derrière les autres. Et, ah, bah dis donc, c'est impressionnant ce système-là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais les personnes collent beaucoup. Il y en a qui ne collent pas. Hein. Ah, j'ai remarqué sur la route. Excusez-moi, ça va durer un peu de temps, mais c'est une réflexion que je me fais aussi par rapport à l'expérience. Il y a beaucoup de personnes qui laissent de bons écarts. Et c'est drôlement rassurant pour elles et rassurant pour ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière. Et il y a une sorte de discipline qui s'instaure, alors pas chez tout le monde, hein, malheureusement, mais il y a une discipline de conduite qui améliore drôlement le sentiment de sécurité sur la route. Parce qu'on dépend des uns des autres. S'il y en a un qui va faire une bêtise, c'est au dépens des autres. Et il peut provoquer une catastrophe pour lui, mais surtout pour les autres. Donc en ayant une électrique, on en a fortement conscience de ça. Parce que notre conduite n'est plus du tout tributaire d'un ancien système, mais on est un petit peu regardant de ce qui se passe autour de nous. On est plus préventif dans notre conduite. On anticipe énormément notre conduite. Qu'en thermique, non. Il y a encore ce manque d'anticipation, mais ça s'acquiert malgré tout. On sent que il y a une forte attention entre les personnes, les gens de la ville, les gens de la campagne. Il y a une différence malgré tout. Hein. Les gens de la campagne sont habitués à la route, à rouler beaucoup, loin, longtemps, parce que les distances sont longues. Et à la campagne, c'est la route de campagne, vous avez vu mes vidéos. Dès qu'on arrive en agglomération, c'est, comme on dit vulgairement, QAQ. C'est tout le temps comme ça. Un stop, un feu, un stop, un feu, un embouteillage, etc. etc. Et du coup, les gens collent. Ils sont habitués à coller. Mais quand il y a un pépin devant eux, il n'y a aucune marge de sécurité. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Mais c'est eux qui provoquent ce système-là d'inconfort, de conduite, parce qu'ils ne laissent pas de distance de sécurité. Quand j'arrive en ville, je laisse automatiquement une distance de sécurité. Oh, c'est instinctif. Hein. J'avais déjà sur la Prius. Dès que j'ai passé sur une hybride, ça s'est fait instinctivement. Parce que, en plus, sur une hybride, on sait qu'on économise de l'essence. Ah, c'est par économie d'essence. Mais ça, c'est pas acquis.
dans le thermique parce que les gens freinent sur les freins tout le temps. Ah, bah ça, c'est extrêmement agaçant. Et quand ils passent sur une électrique, d'un seul coup, ils cherchent la pédale de frein, ils se rendent compte qu'il n'y a pas besoin de freiner comme avant, il n'y a pas besoin d'embrayer, tout ça. Bah alors là, c'est un réveil. On dirait que c'est un saut, on passe du Moyen-Âge à l'époque moderne. Oh, c'est simpliste, hein, ce que je dis. Mais c'est un peu ça. Voilà, ça n'a pas inventé la roue, mais quand même, un sacré bon technologique. Je continue, et vous m'excuserez. Hein. Dans certains cas où le frein de parking n'est pas fonctionnel, comme lorsque vous ouvrez la porte conducteur alors que le moteur tourne toujours, un signal sonore retentit et le message « Serrez le frein de parking » apparaît au tableau de bord. Dans ce cas, tirez le contacteur pour serrer manuellement le frein de parking. La fonction « Auto-Hold » permet de maintenir la force de freinage sans action de votre part sur la pédale de frein. Elle s'avère très pratique dans les bouchons ou à un feu rouge, par exemple. Pour activer cette fonction auto-hold, appuyez sur ce contacteur. Le témoin intégré au contacteur et le témoin au tableau de bord s'allument. Bon, je fais une pause, je suis obligé, parce que sur la Zoé 22 et 40, on n'a pas cette désactivation de l'auto-hold. Auto-hold, c'est-à-dire que c'est la voiture qui avance toute seule. C'est du pas à pas, vous êtes sur un bouchon, il y a un stop, un feu, peu importe. Vous relâchez la pédale de frein, la voiture avance toute seule. Pardon. Sauf sur une montée, si c'est légèrement en pente, la voiture va se stabiliser. Parce que le moteur fait avancer la voiture, mais en même temps, la voiture, c'est un équilibre. Voilà, j'ai appelé ça comme ça. Et quand vous appuyez sur la pédale de frein en pente, que vous relâchez la pédale de frein, ça bloque les roues arrière, les tambours arrière, pendant environ 2 secondes. Pour éviter que la voiture recule. J'en refais une nouvelle parenthèse. Hier, il y avait une personne devant moi, j'étais en ville, hein, bien sûr, en agglomération, principalement, dans mon parcours habituel, une grosse voiture, hein, je ne mettrai pas la marque, c'est un gros SUV qu'on connaît, le gars qui était au volant ne fait pas attention, la voiture recule. Bah, attention, c'est 1,5 tonne qui recule, hein, c'était une grosse voiture, donc c'est lourd. J'ai été obligé de klaxonner. Bah, le gars s'est arrêté pile, mais moi je ne pouvais pas reculer. Parce que l'autre derrière me collait. Bah oui, comme toujours. Donc vous voyez la marge de sécurité, on ne l'a pas. Si l'autre devant me rentre dedans, bah c'est constant. Et comme il recule, il a tous les torts. Quand on recule, on touche, on a tous les torts. Ça m'est arrivé, hein, de sentir la voiture reculer. J'étais pas sûr de moi, j'ai recule ou recule pas. Dans ces cas-là, le réflexe, c'est de regarder par terre. Et on voit si la voiture recule ou avance toute seule. Et quand on a cette fonction auto-hold, on voit la voiture qui avance toute seule, parce que c'est prévu par le système. Et là, on freine. Avec la Zoé 40 ou 50, 40 ou 22, on freine. C'est, bon, à la longue, freine, on passe au point neutre, au neutre, on met au neutre, ça désactive tout. Si c'est pas en pente, la voiture n'avancera pas, elle ne reculera pas toute seule. Et on ne peut pas désactiver ce système-là. Sur la Zoé 50, maintenant, on peut. On peut désactiver ce système-là. Alors ça, c'est une sacrée avancée. C'est-à-dire que c'est pas une fonction, on va dire, évidente en soi. Ce ne sera pas aussi simple que sur une Tesla. Une Tesla, c'est un simple bouton virtuel sur l'écran central. Tout est centralisé sur un écran. Que sur la Zoé, c'est encore un bouton physique. Enfin, physique. C'est un petit bouton, un petit interrupteur de rien du tout. Mais ça mérite d'exister. Ce qui n'existait pas avant, existe maintenant. C'est un confort supplémentaire. Oula, la vidéo, il y a... Pour confirmer l'activation, notez que la force de freinage reste maintenue tant que votre ceinture est bouclée et que le frein de parking n'est pas activé. Pour désactiver manuellement cette fonction, appuyez simultanément sur la pédale de frein et sur ce bouton, ou accélérez fortement avec un rapport de vitesse engagé. Ouais, les témoins s'éteignent alors pour confirmer la désactivation. Enfin, sachez que dans certaines conditions, comme par exemple l'arrêt du véhicule en forte pente, la fonction auto-hold est désactivée. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, des commentaires ou des précisions à apporter, n'hésitez pas. Hein. Et je dis un petit bonjour aux nouveaux abonnés. C'est gentil. Et je vous dis à bientôt. Et merci.